Venez voir, nous avons trouvé celui que nous cherchons. Chers paroissiens du secteur d'Arlon, chers amis internautes, nous nous retrouvons ce dimanche 20 juin 2021 pour une nouvelle célébration en direct sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est le 12e dimanche du temps dit ordinaire et nous nous penchons plus particulièrement sur le thème du passage. C'est monsieur le doyen d'Arlon, Pascal Roger, qui présidera pour nous cette Eucharistie en présentiel pour les quelques privilégiés toujours, mais aussi pour tous les internautes via nos réseaux sociaux. Passons sur l'autre rive, il n'y a pas de tempête sans traversée, il n'y a pas de traversée sans passage, et il n'y a pas de passage sans la volonté de Jésus. Enfin, saint Paul nous le rappellera aussi dans l'Épître, les vivants n'auront plus leur vie centrée sur eux-mêmes. Ce merveilleux chant de la communauté du chemin neuf nous invite, venez voir, nous avons trouvé ce que nous cherchons. Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux de nous retrouver, soit dans cette église de Frassem ou à travers Facebook pour cette liturgie de ce dimanche. Nous allons redécouvrir qu'au cœur des tempêtes de nos vies, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est embarqué avec nous. Il est présent dans toutes nos difficultés. Il nous aide à passer sur l'autre rive. Nous sommes donc invités à passer du doute à la foi, de la peur à la confiance. Au début de cette célébration, reconnaissons combien nous avons besoin de la miséricorde de Dieu et accueillons son pardon en nos vies. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée,
en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, et les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Seigneur Jésus, tu nous invites à passer sur l'autre rive. Prends pitié de nous. Tu connais nos peurs et nos doutes, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous assures de ta présence dans la barque de notre vie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Passer de la mort à la vie, ton Fils Jésus, pour nous délivrer de toute mort et de tout mal, écoute notre cri, entends notre prière. Quand la tempête souffle sur notre vie, quand les difficultés se multiplient, augmente en nous la foi et la confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. L'expérience de Job est redoutable. Il est confronté au dénuement le plus complet. Et il se demande quelle est la cause d'un tel malheur. Il ne peut s'empêcher de croire que Dieu pourrait en être l'auteur. Mais celui-ci lui rappelle qu'il n'a pas à l'accuser. Et il se défend d'être l'auteur des malheurs de Job. Lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête, et dit « Qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein primordial ? Quand je lui mis pour vêtement la nuée
en guise de l'ange le nuage sombre. Quand je lui imposais ma limite et quand je disposais verrou et porte. Et je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Parole du Seigneur. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, qu'il offre des sacrifices d'action de grâce. Ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Il parle et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues, porté jusqu'au ciel, retombant aux abîmes. Leur sagesse était engloutie. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient, qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Lorsque Paul prend la parole, lorsqu'il écrit, c'est à partir de l'expérience radicale qu'il a faite sur le chemin de Damas. Ce n'est pas une réflexion intellectuelle qui l'a mené à la foi, il a été saisi par le Christ. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit. Quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi, tous ont passé par la mort. Mais le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière humaine, si nous avons connu le Christ de cette manière. Maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. »
Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc celui-ci, pour que même la mer et le vent lui obéissent ?» Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes en mars 2020. L'hiver finissant, un soir avec une nuit d'encre. Rome, place Saint-Pierre. On est au cœur de la première phase du confinement, première vague, comme on dit, de la pandémie. Le monde est entré dans une léthargie totale. Il pleut. Il fait plus que grincheux. La place Saint-Pierre est vide. Et au milieu, un petit bonhomme de plus de 80 ans, tout de blanc vêtu, qui ose une parole. Il ose une parole à ce monde complètement décontenancé, à ce monde perdu, devant les événements qu'il traverse, devant la tempête redoutable à laquelle il est confronté. Et les paroles que prononce le pape, c'est précisément le commentaire de cet évangile de la tempête apaisée. Et depuis ce jour-là, je ne parviens plus à le lire de la même manière. D'autant qu'il commence par « le soir venu ». Et ce soir-là, Rome, il faisait triste, il faisait noir. Comme il faisait noir dans tant de cœurs, comme il faisait noir dans tant d'esprits, dans tant de services d'hôpitaux et ailleurs. Aujourd'hui, notre situation est toute différente. Nous sommes au jour de l'été, ou en tout cas, ça dépend un peu selon les principes, mais on est à une autre époque, il fait lumineux, et on nous parle de plus en plus de déconfinement, les règles s'assouplissent, on est dans une perspective toute nouvelle. Et nous rêvons de quoi ? De la vie d'avant. De reprendre cette vie que nous avions connue comme un paradis perdu. Et au moment où nous rêvons de cela, qu'entendons-nous ? Passons sur l'autre rive. Mais nous, c'est de la rive derrière qu'on rêve. Mais si je la regarde bien, cette rive, elle s'arrête à la mer comme une impasse. Et la mer, dans toute la symbolique juive, c'était le lieu du mal. Il faut reconnaître que les tempêtes sur le lac de Galilée étaient particulièrement redoutables et bien souvent causaient la mort. Dès lors, les Juifs avaient vu dans cette mer le symbole du mal qui se déchaîne. Oui, la rive que les disciples et Jésus quittent, elle est un peu comme une impasse. Oh, c'était un monde extrêmement confortable. On y vivait dans une réalité qui nous paraissait idéale. Mais sommes-nous sûrs que c'est vers cela qu'il faut retourner? Vers ce monde où la plus petite partie de l'humanité vivait dans une aisance remarquable, alors que dans l'indifférence totale, le reste du monde meurt de faim ou vit dans la misère? Dans un monde où les plus riches sont de plus en plus nombreux et les plus pauvres se multiplient à vue d'œil? Dans ce monde où l'on semble indifférent. Indifférent au devenir des frères, indifférent au devenir même de notre planète comme espace de vie commune. Et pourtant, que disent les disciples?
Oh, ils sont secoués dans la barque. La tempête les désarçonne complètement. Ils ne savent plus aller. Et Jésus est là, derrière, qui dort. Et que disent-ils ? Seigneur, nous sommes perdus et cela ne te fait rien. Comme si c'était Dieu qui était indifférent à notre devenir. Et quand nous le regardons bien, qui est indifférent ? Qui s'est enfermé dans le repli sur soi ? Ou dans l'illusion que tout va toujours durer comme cela a commencé, en consommant les ressources de la planète d'une année en 6 mois ? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui est indifférent ? Ah, la tempête est redoutable. Nous avons tous été désarçonnés, nous le sommes encore. Mais n'avons-nous pas à entendre cette invitation à passer sur l'autre rive ? Si nous regardons Dieu avec les yeux de la foi, nous le savons bien qu'il n'y a rien de plus cher pour lui que nous, que la vie des êtres humains, tous sans exception. Nous le savons bien qu'il est celui qui veut prendre soin de nous. Mais nous avons tendance parfois nous-mêmes à veiller à ce qu'il dorme bien derrière et ne nous dérange plus. Voire même, et on l'a vu pendant ce temps de pandémie, par les mesures qui ont été prises, de verrouiller le spirituel dans un coffre à double tour pour enfin qu'il cesse de nous déranger. Mais voilà, nous n'avons plus à nous priver des ressources de la spiritualité. Plus que jamais, il nous faut y puiser et regarder vers cette autre rive. Bien sûr, elle ne sera pas la même. Bien sûr, il nous faudra accepter d'être changés, bouleversés, dérangés dans notre petit confort. Mais l'avenir, il est de ce côté-là. Derrière, c'est l'impasse. Alors, si nous voulons aborder cette vie autre de manière heureuse et épanouie, il nous faut puiser dans les ressources de notre foi. Saisis par le Christ, dit Paul. Je ne regarde plus mon frère simplement en humain. J'y vois un fils de Dieu, j'y vois un frère à aimer. Il y a un monde nouveau qui est là en train de surgir. Alors on peut y être indifférent aussi. On peut le laisser végéter. Ou bien au contraire, on peut nous rendre disponibles, nous laisser déranger par lui, voire même contribuer à son avènement. Et alors vraiment, passer sur l'autre rive sera une bonne nouvelle. Dieu ne pourra être indifférent à ce que nous vivons. Il s'est montré solidaire de notre destinée, s'unissant à nous en son Fils Jésus. Il a voulu aller jusqu'au bout de l'amour, et la croix en est le signe. Par l'Esprit, il nous rend capables de contribuer à l'avènement de ce monde nouveau dont Jésus nous a tant parlé, ce royaume qui est là en train de naître. Pour cela, il nous faut nous laisser bousculer par l'Esprit. Telle est notre foi, la foi de l'Église, que nous voulons confesser ensemble maintenant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, le Seigneur entend les cris de son peuple. Prions-le avec confiance pour tous ceux et toutes celles qui ont besoin de lui, qui ont besoin de passer de la peur à la confiance, du doute à la foi.
Seigneur, avec le pape François, nous te prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien d'une communauté chrétienne. Qu'ils grandissent dans l'amour avec générosité, fidélité et patience. Ensemble, prions. Seigneur, unis dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. Notre monde est traversé par de nombreux vents contraires. Crise sanitaire, économique, guerre entre les peuples. Seigneur, écoute nos cris et viens à notre secours. Ensemble, prions. Seigneur, unis dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. Ton désir pour l'homme, c'est le salut et non le malheur. Seigneur, toi qui es plus proche de nous que nous-mêmes, augmente notre foi et notre confiance en toi. Ensemble, prions. Seigneur, unis dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois leurs prières qui montent ainsi vers toi. Tu fais des merveilles dans nos vies et dans notre monde. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous sachions les voir et te rendre grâce. Ensemble, prions. Seigneur, unis dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois leurs prières qui montent ainsi vers toi. Dans le silence de notre cœur, laissons monter vers Dieu les intentions qui ne sont plus personnelles. Dieu notre Père, tu sais que nous avons cru pouvoir tout maîtriser au nom de la science, de la technique, de l'économie. Et tu vois aujourd'hui combien nous avons été secoués par cette tempête qui a marqué l'humanité. Donne-nous de nous laisser saisir par toi, pour que nous puissions vivre de toi, aujourd'hui, chaque jour et pour les siècles des siècles. Amen. Non. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, regarde ce pain et ce vin que nous te présentons au milieu de nos épreuves, de nos peurs et de nos tourments. Enlève de nos cœurs la source de nos peurs. Transforme-nous en offrande de paix par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Père.
car tu es le Dieu des vivants et tu domines les forces du mal. Ton Fils Jésus nous invite à passer sur l'autre rive, à changer des choses en nos vies, à te découvrir comme celui qui veut guérir nos blessures. C'est pourquoi nous mettons notre joie à te bénir avec tous les anges et tous les saints en chantant. Saint et digne de louange, Père qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il nous partage le pain. Maintenant donc, Père, de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa mort, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, mort et ressuscité, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Oui, regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les acteurs de ce monde nouveau en germination, les membres vivants de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps. Oui, fais-nous vivre de ton Esprit dans notre participation à cette Eucharistie. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils. Resserre les liens de notre unité avec le pape François, notre évêque Pierre, tous les évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile.
Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant tristesse et angoisse, espérance et joie, nous annoncions fidèlement la bonne nouvelle et progressions sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs défunts. Conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec Marie, Saint Joseph, les apôtres, les martyrs, Saint Valentin et tous les saints. Nous pourrons te louer sans fin et glorifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Avec lui et en lui, à toi et le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles, Amen. Saisi par le Christ, quand Paul regarde la croix, il ne peut plus après regarder son frère simplement avec des yeux d'humain. Il ne peut le voir qu'avec ses yeux habités par l'Esprit de Dieu, qui nous invite à nous reconnaître tous enfants du même Père. Alors osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et tout particulièrement de l'indifférence. Fais-nous grandir dans ta paix et par ta miséricorde, libère-nous de tout ce qui nous replie sur nous-mêmes, qui nous éloigne de toi et de nos frères. Vraiment, puissions-nous être décentrés vers toi et changer de regard sur nos frères. Alors fortifie-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et la venue de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos hésitations, nos peurs, nos doutes, mais donne-nous foi et confiance. Fais-nous découvrir combien tu es présent à nos côtés, dans la barque de nos vies, dans la barque du monde et dans la barque de l'Église. Toi qui nous offres ta paix en abondance aujourd'hui, chaque jour et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et bien que cette paix dépasse les murs de cette église pour se répandre dans tous les cœurs. À la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
c'est ton corps qui habite en nous. Devenons ce que nous recevons. Ton sang coule en nous. Tu es le pain vivant qui nous est offert. Et nous n'aurons plus jamais faim si nous croyons au sacrifice. Rassemblons nos prières. Nous te remercions, Dieu très bon, pour ton Fils qui vient vers nous dans l'Eucharistie, malgré notre peu de foi. Que cette communion nous aide à traverser les tempêtes de la vie et à oser passer sur l'autre rive de la nouveauté. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Quelques informations pour les communautés du secteur d'Arlon. D'abord, ici à Frassem, nous célébrerons les funérailles de Pierre Winandy, époux de Jeannine Joris, 84 ans, ce lundi 21 à 14h30. Nous sommes toujours dans l'année Saint-Joseph. Et donc, bientôt, nous recevrons aussi dans ces paroisses l'icône qui nous invitera à nous joindre au rêve pour toutes nos familles, en communion avec l'invitation du pape. Il y aura à l'église Saint-Martin, à la salle Godefroy-Kurt, ce mercredi à 9h, un temps de partage biblique autour de l'évangile du dimanche, donc ce mercredi à 9h. Le groupe Croissance, qui accompagne les jeunes de 11 à 18 ans, leur lance une invitation, et tout particulièrement aux derniers confirmés de cette année. Ils ont été très nombreux ici, plus de 180 ici dans le secteur. Il les invite à une marche découverte sur le thème de la sauvegarde de la maison commune. Elle aura lieu ce jeudi 24 de 19h30 à 21h30. Pour tout renseignement, on peut s'adresser au Père Vincent, notre vicaire. Comme nous sommes dans l'année Saint-Joseph, nous allons prier quelques instants Saint-Joseph. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de Marie, votre épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et secourez-nous à l'heure de notre mort. Amen. Eh bien, que vous souhaitez d'autre ?
que de vous laisser saisir par le Christ et d'oser l'autre rive. Un bon dimanche et une excellente semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, vivez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Que chaque enfant porte sa pierre au chantier de la maison du Père. Une cathédrale sera faite au ciel. Que chaque enfant au chantier de la maison du Père, une cathédrale s'élèvera. Une cathédrale à construire tous les jours, voilà ce que ce dernier chant nous propose. Nous étions en direct depuis l'église Saint-Valentin de Frassem. Si vous voulez réentendre cet enregistrement, il est dès à présent disponible sur le compte Facebook Activité Bogifa et le sera également en différé sur YouTube. Nous nous retrouverons dimanche prochain, même lieu, même heure et même réseaux sociaux, en compagnie de Monsieur l'abbé Jean-Marie Piron pour notre dernier rendez-vous Facebook Live avant les vacances d'été. Nous verrons à la rentrée comment la pandémie aura évolué, mais nous l'espérons pour le mieux et pour nous retrouver en présentiel en grand nombre chaque dimanche. Excellente semaine à tous. Chaque enfant porte sa pierre au chantier de la maison du Père. Une cathédrale s'élève vers le ciel. Que tu sois meneur ou mené, au vu de notre société, il y a toujours un horizon, un printemps à faire éclater. Les talents que tu as reçus, un coffre d'or ou trois écus, autant d'amour à fructifier, à faire la gloire au coin des rues. Que chaque enfant porte sa pierre au chantier de la maison du Père. Une cathédrale s'élève vers le ciel. Que chacun de nous est invité à marcher vers la sainteté, et tous les saints de notre histoire ont mis l'amour en priorité. Le ciment qui unit nos pierres résiste au plus dur de l'hiver. Sa pierre au chantier de la maison du Père, une cathédrale s'élève vers le ciel. Que chaque enfant porte sa pierre au chantier de la maison du Père, une cathédrale s'élève vers le ciel. Que chaque enfant porte sa pierre au chantier de la maison du Père. Une cathédrale s'élève vers le ciel.